Thank you.
Thank you.
Aïe, 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 je m'en fous. Je vais vous baisser. On va danser pour la gloire de nos seigneurs. Est-ce que tu es là ce soir? Aïe, 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 je m'en fous. Je vais vous baisser. Aïe, 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 je m'en fous. Aïe, aïe, aïe.
Pour vous parler du Dieu qui a ressuscité, pour vous parler.
parle de celui qui a été ressuscité, du Dieu qui est éternel. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous envoie te poser une question. Dieu nous envoie te poser cette question. Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Où est-ce que tu vas fermer les yeux? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Amen. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Amen. Le Seigneur te pose la question. Il te pose cette question. Pendant que tu vis sur la terre. Pendant que tu vis sur cette terre. Pendant que tu as encore la grâce. Aujourd'hui tu es là. Pendant que tu existes encore. Aujourd'hui tu existes. S'il arrivait que la mort te frappait. Bien aimé, si la mort te prenait à l'instant même. Où passeras-tu ton éternité? Où arriveras-tu, bien aimé? Bien aimé, tu as passé ton temps à raisonner. Bien aimé, tu passes ton temps à raisonner. Tu as passé ton temps à murmurer. Tu passes ton temps à murmurer. Tu as passé ton temps à contredire. Tu passes ton temps à corriger. Bien aimé. Le raisonnement, les murmures ne veulent pas te sauver. Le raisonnement est un murmure. Ne prends pas ta... Bien aimé. Tu es attaché au monde. Tu es attaché aux gens du monde. Amen. Or, la Bible déclare. Or, les Écritures disent. Que n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime ces choses. L'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Bien aimé, tu dis que tu adores un Dieu vivant. Bien aimé, tu dis que tu adores un Dieu vivant. Un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui est vrai. Mais tu l'adores avec des choses fausses. Mais tu l'adores avec des choses qui sont fausses. Tu l'adores avec des choses fausses. Tu l'adores dans la pécheté. Tu l'adores dans le mensonge. 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 Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous adorons. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui vit la justice. C'est un Dieu de sainteté. Amen. Bien-aimé. Pourquoi tu adores Dieu avec le mensonge? Amen. Pourquoi tu adores Dieu avec le mensonge? Bien-aimé, tu vas me poser la question. Que le mensonge, chez toi, tu vas dire que le mensonge c'est un être dans la bouche. Alléluia. Mais il y a plusieurs types de mensonges. Bien-aimé, il y a plusieurs types de mensonges. Bien-aimé, nous allons lire les Écritures. Selon les livres. De 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur va te dire. Écoute ce que le Seigneur va te dire. C'est aussi un mensonge. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Tu veux adorer Dieu. Tu veux adorer Dieu. Mais tu ne veux pas l'adorer en esprit en vérité. Mais tu ne veux pas l'adorer en esprit en vérité. Alors la Bible déclare dans le livre. La Bible déclare dans le livre de Jean 4, verset 23. La Bible déclare dans le livre de Jean 4, verset 23. Non, mais l'un vient. Mais quel l'un vient? L'un vient. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là que les adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ce sont les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de pratiquer sa parole. C'est de pratiquer sa parole. C'est de se détourner du péché. Une fois que tu es attaché au péché. Une fois que tu es attaché au péché. Tu n'adores pas Dieu en esprit en vérité. Tu n'adores pas Dieu en esprit en vérité. Le Dieu que nous adorons ne se mélange pas. Le Dieu que nous adorons ne se mélange pas. Il ne s'associe pas. Il ne s'associe pas. Il est unique à son genre. Unique à son genre. Il est 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 unique. Il est unique à son genre. Il est unique à son genre. J'avais lu le livre de... Et tu ne peux pas te mettre. Et tu ne peux pas te mettre. Écoute la parole de ton Dieu. Écoute ce que le Seigneur va te dire. Écoute ce que le Seigneur va te dire. Écoute ce qui te dit. C'est un mensonge que tu as dans ta vie. C'est un mensonge que tu as que tu ne sais pas. C'est un mensonge que tu as dans ta vie. C'est un mensonge que tu pratiques. Écoute, tu crois que c'est la vérité. Tu penses que c'est la vérité. Le Seigneur dit que c'est un mensonge. Le Seigneur te dit ce soir que c'est un mensonge. Le Seigneur te dit c'est un mensonge. Écoute la parole de ton Dieu. Bien-aimé.
trouver l'amour. Pour aller au ciel. Pour aller au ciel. On ne se réveille pas un bon matin. On se réveille pas un bon matin. Dis, on va au ciel. On dit on va au ciel. On ne se réveille pas un bon matin. On se réveille pas un bon matin. Pour Dieu, on rentre au ciel. Pour Dieu, on rentre au ciel. Bien aimé, écoute la parole de Dieu. Bien aimé, écoute la parole de Dieu. C'est quoi? 1 Timothée 2, verset 9. 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 Ok. Bien, écoute la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière, décente, avec pudeur. Bien, la Bible déclare. Amen. Le Seigneur Jésus. Dieu dit, que toi femme, tu sois vêtue d'une manière décente. Vêtue-toi d'une manière. Bien-aimé, sois vêtue d'une manière décente. Bien-aimé, cela de. Ce n'est pas de porter la minou. Ce n'est pas de porter les vêtements plaqués. Ce n'est pas de porter les vêtements plaqués. Oui, de s'habiller décemment. De s'habiller décemment. Ce n'est pas de porter les pantalons. Ce n'est pas de porter les pantalons. Ce n'est pas de s'habiller en sexy. Ce n'est pas de porter les sexy. Ce n'est pas de porter. Oui, les caleçons seulement pour se promener. Ce n'est pas de s'habiller nu pour promener. Allons. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, je ne se parle ni de presse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habitus. La Bible dit que la femme ne se parle ni de presse. Mais quelles sont les presses dont la Bible parle? Le Seigneur ne parle pas de tes cheveux naturels. Il ne te parle pas de tes cheveux naturels. Mais il parle des tresses, des cheveux dont tu ajoutes sur tes cheveux naturels. Il parle de tes mèches et tes perruques que tu mets sur ta tête. Il parle de tes mèches. Il parle de tes mèches. Des faux cheveux que tu as soulevés pour mettre sur ta tête. Des faux cheveux. C'est un mensonge devant Dieu. Bonhomme, c'est un mensonge devant Dieu. C'est un mensonge devant Dieu. Tu te mens, toi-même devant Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. Tu as les cheveux étrangers sur ta tête. Tu as les cheveux étrangers sur ta tête. Ces cheveux ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, tu es un menteur. Je te mens devant Dieu. Oui, les bagues. Tous ceux de bougies. Les boucles d'oreilles. Le Seigneur ne veut pas voir ça. Il 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 ne veut pas voir ces choses. 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 Continue à faire. Ni de pelle. Ni de pelle. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Bien aimé, tu portes des habits transparents. Tu portes des habits transparents. Oui, quand tu portes ce genre d'habits, quand tu passes au quartier. On voit au travers de cet habit. On voit tout ce qui se passe. On voit ta nudité. On voit ta nudité. On voit tout en toi. On voit tout en toi. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur ne veut pas ce genre d'habit. Le Seigneur ne veut pas ce genre d'habit. Il ne veut pas ce genre d'habit. Il ne veut pas ce genre de. Cela ne le glorifie pas. Cela ne le glorifie pas. Cela ne le glorifie pas. Il n'est pas au ça. Cela n'est pas la gloire de Dieu. 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 Bien aimé, nous allons dire quoi? Une autre écriture. Bien aimé, selon le livre de Deutéronome 22, verset 5. Lis le passage, frère. Deutéronome 22, verset 5. Bien aimé, écoute ce que le Seigneur va te dire. Quand tu penses que ce que tu es en train de mettre sur ton corps est juste, selon le monde c'est juste, mais selon Dieu c'est pas juste. Selon Dieu c'est, selon Dieu, c'est pas juste. Selon Dieu c'est pas correct. C'est pas de la façon dont tu dois t'habiller. Le Seigneur n'aime pas ces gens d'habillement. Il n'aime pas ces gens d'habillement pour femmes. Il n'aime pas. Écoute les écritures. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Mais quels sont les habillements d'homme? Quels sont les habillements d'homme? Quels sont les habillements d'homme? Le Seigneur interdit un habit d'homme. Bien aimé, les habillements d'homme, ce sont les pantalons. Ce sont les pantalons. Ce sont les collants. Ce sont les cyclistes. Ce sont les cyclistes. Bien aimé, si toi, femme, tu portes ces choses. Si toi, tu portes ces choses. Si tu portes ces choses. Si tu portes ces choses. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Je n'ai plus dans la volonté de Dieu. Tu n'as plus comme un homme. Tu n'as plus. Tu portes les vêtements de femme. Tu portes les vêtements de femme. Pensez-vous que les collants sont pour les femmes? Les collants ne sont pas pour les femmes. Les collants, les cyclistes ne sont pas pour vous. Tout ce qui est fait sur forme de pantalon, c'est pour garçon. Bien aimé. Bien aimé. Repentez-vous de ces choses. Repentez-vous de ces choses. La gloire de Dieu n'est pas dans ces choses. La gloire de Dieu n'est pas dans ces choses. Tu te rebelles contre Dieu. Tu te rebelles contre Dieu.
il est écrit, il est écrit. Tout est écrit. Tout est... Frère, nous n'inventons pas les choses que dans les... On ne dit pas ça de nous-mêmes. Mais nous tirons ces choses de la Bible. De la Bible, de la Sainte Bible. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Viens aller. Écoute encore ce passage. Jean chapitre 1, verset 1. Y a garçon et puis y a garçon.
garçon, ton mari est quelque part là-bas, quand tu couches un mari des gens, ton mari va venir comment? Ton mari est là, et puis toi tu sors pour ta camarade, toi plutôt va venir comment? Ton mari ne peut pas venir, parce que la pauvre femme pleure, la pauvre fille est malheureuse, et elle te maudit chaque jour, comment ton mari va venir à toi? Comment est-ce que tu vas te marier? Tu vieillis dans ça, ça ne te dit rien. Quand tu es triste, le moment n'est pas encore arrivé. Moi-même, Dieu m'a créé un homme pour bien sortir les hommes mariés. C'est les hommes mariés qui sont sur mon chemin. Qui t'a dit ça? Qui a dit que je veux que ta vie les hommes mariés sur ton chemin? Qui t'a dit ça? Quand tu veux que les hommes mariés sur ton chemin, parce que tu fais ton bien, il fait quand tu te maries aussi. Il fait aussi que tu es un homme qui va te mettre à la maison. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui t'appuies. Et puis tout ton corps est posé. Ce que j'ai dit ce soir, réponds-toi. Appuie-toi sur comment. Fais ton corps. Ton corps est comme si tu étais un peu. Il t'en va bien bien ta main. Il t'en va bien ta main. Appuie-toi sur le Voici ce que le Seigneur te dit. Personne ne peut te sauver de là. Personne ne peut te sauver de là. Personne ne peut te sortir de la masturbation. Jésus seul en est capable. Jésus seul peut te sortir. Jésus seul peut te sortir. Jésus seul peut t'enlever dans la masturbation. La masturbation est un péché. La masturbation est un péché. La masturbation est un péché. C'est un péché. Quand tu te masturbes, tu tues des gens. Tu tues des enfants. C'est un péché dans le village. Vanité de vanité. 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 Vanité.
Vanité. Vanité. Toi, mon frère. À cause de l'argent. Tu vas sacrifier ton âme. Tu vas vendre ton âme. Tu vas vendre. Oui, tes frères. Tu vas vendre ton enfant pour de l'argent. Réponds-toi. Toi-même, tu as cet argent. Tu n'es pas en paix. Et puis, tu n'es pas en paix. Et puis, tu ne dors pas la nuit. Tu as cet argent. Tu ne dors pas la nuit. Pourquoi tu as trouvé. Tu as cet argent. Tu ne peux rien faire. Tu vas la mettre dans le poisson. C'est le passé de maquis en maquis. C'est le passé hôtel et en hôtel. Bien aimé. Alors, tu cherches cet argent pourquoi? Tu cherches cela pourquoi? Bien aimé. L'argent ne peut pas payer le salut. Rien ne peut payer le salut de Dieu. L'argent ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Parce que nous sommes attachés à l'argent. L'argent est notre Dieu. Bien aimé. Le Seigneur Jésus. Aime l'idolâtrie. Toi, tu aimes l'argent. Oui. Tu adores le Dieu qu'on appelle maman. Oui, c'est le Dieu d'argent. Dieu n'a pas dit de ne pas avoir l'argent. Il ne t'a pas dit de ne pas avoir l'argent. Mais tu fais de l'argent ta priorité. Mais tout ce que tu fais de l'argent ta priorité. Tu mets l'argent devant. Tu deviens idolâtre. Bien-aimé, le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Il dit, mon fils, retourne-toi. Il te tend la main aujourd'hui. Je vous prends ce village et retourne-toi. Il te tend la main aujourd'hui. Il dit, reviens à moi. Toi, ma soeur. Tu as transformé ton corps en une boutique. Bien-aimé. À cause de ça. La nuit. Tu t'habilles en sirène. Pour aller. Dans les voies de nuit. Dans tes mouvements. Dans les maquilles. Dans les voies de nuit. Réponds-toi. Que l'air de Dieu s'approche. Bien-aimé. Toi qui travailles pour quelqu'un. Et puis l'argent, tu donnes pas tout. Tu roules le taxi de quelqu'un. Tu finis de rouler. Tu ne veux pas donner tout l'argent. Tu dis ça n'a pas marché. La colère de Dieu s'approche. Le Seigneur Jésus va frapper ce mort. Il va frapper fort. Il nous envoie t'avertir. Toi, tu n'es pas marié. Mais tu veux coucher avec ta fille. Je veux passer par toi. Réponds-toi. 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 Réponds-toi.
Réponds-toi. Réponds-toi. Toi, tu es marié, si. Toi, tu es marié. Et puis, tu ne dors pas à la maison. Tu ne dors pas. 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 Tu as une femme. J'ai une femme. Tu as une femme. J'ai une femme. Tu abandonnes ta femme. Tu dis, c'est là les vieilles. Et puis, tu t'en vas au dehors. Tu dis, c'est la même chose. Réponds-toi. 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 Tu vas coucher avec tes filles. Tu vas coucher avec tes filles. Avec ton âge et tes filles. Avec ton âge et tes filles. Réponds-toi. 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 La colère de Dieu arrive. La colère de Dieu. La colère de Dieu arrive. C'est très proche. J'ai aimé échapper. Hey. Priez. 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 Priez fort. Priez. 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 Fuyez la colère de Dieu. Hey. Fuyez la colère de Dieu. Priez pour fuir. Pour fuir. Fuis la colère de Dieu. 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 Toi femme. Toi femme. Pour que ton mari t'aime. Pour que ton mari t'aime. Oui. Oui. Tu vas chez les marabouts. Tu vas chez les marabouts. Tu vas prendre des médicaments. Tu vas prendre des médicaments. Pour l'envoûter. Pour l'envoûter. Pour l'envoûter. Pour le passer. Réponds-toi. Réponds-toi, 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 toi jeune homme, toi jeune homme, tu te dis chrétien, tu dis chrétien, et puis tu as la coiffure mondaine, la coiffure tectonique, la gueule, les tons, la gueule t'ont piqué, les tétons, réponds-toi. Bien-aimé, répondez-vous, répondez-vous. Les bêtes n'iront pas au ciel, ça ne peut pas envoyer là-bas. Vérité, ça ne peut pas. La mèche n'iront pas au ciel. On reste que des délais, ça ne va pas envoyer. Les poussins n'iront pas au ciel. Le péril ne va pas t'envoyer au ciel. Les poules d'oreilles n'iront pas au ciel. Les poules d'oreilles que tu portes. Les lignes n'iront pas au ciel. Les fils que tu portes. Les cyclistes n'iront pas au ciel. Les cyclistes que tu portes. Une femme. Cela n'entrera pas au ciel. Ça peut pas. Cela n'entrera pas au ciel. Là n'entrera pas au ciel. Toi femme. Toi femme. Le Seigneur t'a donné la peau noire. T'a donné la peau noire. Il t'a donné la peau noire. C'est noir. À cause. À cause. Camarade. À cause de tes conseils de tes camarades. À cause des conseils de tes camarades. Des conseils de tes camarades. Tu allais acheter des pommades cosmétiques. Allais acheter des produits cosmétiques. Et c'est devenu maintenant un léopard. Tu t'appelais Rassane maintenant. Blanchet Gatier. T'es devenu léopard. Les temps t'appelles Blanchet, on t'appelle plus acheter. T'es devenu léopard. L'enfant, c'est grave. Écoute ce que la parole a dit. Jérémie. Jérémie 13. 23. 23. Un de tes pieds. Un de tes pieds. Un de tes pieds. Petit. Petit. Changer sa peau. Changer sa peau. Un léopard. Un léopard. Chatage. Chatage. Alléluia. L'Éthiopie en Afrique. Oui, l'Éthiopie en Afrique. Il est en Afrique. Il est aussi en Afrique. Et le Seigneur dit, est-ce que l'Éthiopie, est-ce que l'Éthiopie peut changer sa peau? Il peut changer sa peau. Changer sa peau. Il peut changer sa peau. Ne vaut pas toi. Ne vaut pas toi. Tu vas changer ta couleur de ta peau. Tu commences à faire la magie. Pourquoi tu changes la couleur de ta peau? Tu te vas être avec le démon. Tu changes la couleur de ta peau. Tu te blesses. Pour la séduction, tu te tachons. La séduction, tu te tachons. Tu changes de couleur. Tu t'appelles Mariam, tu t'appelles que maintenant. Tu deviens banane brésée. Tu t'appelles Blanchot. Répondez-vous. La rouge ici, la noix ici, la blanche. Réponds-toi. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu savais combien de fois le Seigneur t'aime. Si tu savais combien de fois il t'aime. Si tu savais combien de fois le Seigneur t'aime. Oui, si tu savais. Tu n'allais pas blesser son cœur. Tu n'allais pas blesser son cœur. Tu n'allais pas saigner son cœur. Tu n'allais pas faire saigner son cœur. Tu n'allais pas te rebeller contre lui. 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 Bien-aimé, regarde la souffrance qu'il a portée pour toi. Regarde la souffrance qu'il a portée pour toi. Regarde la souffrance qu'il a portée pour toi. Regarde ce qu'il a fait. Il a chargé cette croix contre la loi. Chargé cette croix. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a été frappé. Il s'est laissé flageller. Il s'est laissé frapper. On l'a traîné. Ils l'ont traîné. On l'a traîné. On l'a traîné. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Il a supporté toute sa douleur. Il a supporté toute sa vie. Il a supporté toute sa vie.
supporté tout ce jour. Il a supporté tout cela. Il a supporté cela. Il a supporté cela. Regarde ce que tu fais. Mais regarde la vie. Regarde de quoi tu te mets. Le Seigneur est le Dieu. Regarde la vie que tu fais. Le Seigneur est le Dieu. Seigneur est le Dieu. Le Seigneur est le Dieu. Tu fais battre son cœur. Tu fais briller son cœur. Laisse le cœur échapper à l'enfer. Pour que tu échappes à l'enfer. Que tu échappes à l'enfer. Échappe à la mort. Et il a versé son sang. Tu échappes à la mort. Il a envoyé sa parole. Regarde ce que tu fais. Mais regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde dans quoi tu es. Regarde ce que tu fais. 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 Tu fais saigner son cœur. Tu fais saigner son cœur. À cause de toi. À cause de toi. Ce que saigne. Ce que saigne. Qui peut faire ce que Jésus a fait? Qui peut faire? Qui peut faire ce que Jésus a fait? Tu peux donner ton enfant pour gagner un peu plus? Est-ce que tu peux donner ton enfant pour gagner un peu plus? Bien aimé. Bien aimé. Le seul qui peut te donner pour ton enfant. Il a donné pour que le bandit. Le bandit vient. Oui, le bandit vient. On dit donc que toi et ton fils. Choisis. Je choisis. Bien aimé, est-ce que tu peux donner ta vie pour ton fils? Est-ce que tu peux le faire? Regarde ce que le Seigneur a fait. Mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Il connaît la fin de toutes choses. Lui qui connaît la fin de toutes choses. La fin de toutes choses. Avant le commencement. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la souffrance. C'est cela. Pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Mais malgré cela. Mais malgré cela. Tu rejettes le Seigneur. Tu le rejettes. Tu le rejettes. Tu le repousses. Tu le maudis même. Tu dis que le pape s'approche de toi. Tu le rejettes. Tu le rejettes. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Que tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Mais le Seigneur dit dans sa parole. Mais le Seigneur dit dans sa parole. Selon Jean 14, verset 15. Selon Jean 14, verset 5. Il dit si vous m'aimez. Il dit si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Regarde dans la prison où tu es petit. Est-ce que tu l'aimes le Seigneur? Le Seigneur ne veut pas te voir en pantalon, toi, ma soeur. Il ne veut pas te voir en pantalon, toi, ma chérie. Il veut pas mèche, toi, ma soeur. Il ne veut pas te voir en mèche, toi, ma soeur. Il veut voir. Il ne veut pas te voir changer la couleur de la peau. Il ne veut pas te voir changer la couleur de la peau. Tu aimes le Seigneur. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes le Seigneur? 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 Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? De la même manière, il a renoncé à lui-même. De la même manière qu'il a renoncé à lui. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Est-ce que tu es prêt à faire cela? Bien-aimé, bien-aimé, depuis que tu as commencé à courir derrière l'argent, depuis que tu as commencé à courir derrière l'argent, dis-moi, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi avec cet argent? Tu as le coup. L'argent que tu as commencé à amasser, l'argent pour lequel tu ne vas pas, l'argent pour lequel tu ne vas pas, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as construit quoi? Tu as fait quoi? Question. Tu as fait quoi avec cet argent? Tu as fait quoi avec cet argent? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé? Et même si tu avais réalisé. Et même si tu avais réalisé. Et même si tu l'avais fait. Sans Jésus. C'est vain. C'est vanité. La Bible déclare que celui qui bâtit sans le tonnerre. La Bible déclare celui qui bâtit sans le tonnerre. Dit en vain. Bâtit en vain. Si ta richesse n'est pas basée sur Jésus. Si ta richesse n'est pas. Si ta richesse n'a pas été bâtie en Jésus, si ta richesse n'est pas appuyée sur Jésus, tout cela est vain. Tout cela c'est cadeau. Tout cela est vain. Oui, c'est cadeau. Tout cela est vain. C'est cadeau. Bien-aimé, même si tu veux soit le plus gentil, même si tu veux soit le plus gentil, le plus gentil, celui-là qui fait du bien aux autres, celui-là qui donne. Mais si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, si tu ne gardes pas les commandements de l'Éternel pour toi, si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, si tu ne gardes pas les commandements, tout ce que tu as fait est vain. Tout ce que tu fais est vain. La Bible déclare. La Bible déclare. Que donneras-tu à Dieu? Que donneras-tu? Qu'est-ce qu'un homme peut donner? Qu'est-ce qu'un homme peut donner? En échange de son âme. En échange de son âme, mon frère. Que serviras-tu aussi? Que serviras-tu à un homme de gagner toutes les voitures, à un homme de gagner toutes les voitures, les femmes, les maisons, et tout perdre son âme au ciel, et perdre son âme au ciel. Bien-aimé, pour ce petit moment de temps que tu vas passer sur la terre, pour ce petit moment de temps que tu vas passer sur la terre, tu es prêt à renoncer.
Seigneur. Je peux annoncer. Oh, tu iras au ciel, tu passes l'éternité. Tu vas passer l'éternité au ciel. L'éternité. 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 Éternellement. Bien aimé, le temps que tu as est court. Le temps que tu as est court. Le temps que tu as sur la terre est court. C'est fini. Est court. Il ne reste plus rien. Mais celle du ciel. Mais... Le monde n'a rien. N'a rien. Il n'y a pas quelque chose que le monde va te donner. Il n'y a pas quelque chose que ça va te donner. Qui va t'amener au ciel. Tu pourras t'amener au ciel. Bien aimé. Tout est rempli de vanité. Tout est rempli de vanité. Vanité. La pourriture. La manière que quand nous voyons la poubelle. La même manière que nous voyons la poubelle. Et nous sentons l'odeur. Et j'ai envie de venir. Bien aimé, c'est ainsi le monde. C'est ainsi le monde. C'est comme ça, on voit. La Bible déclare. Selon le livre de Matthieu. Que depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Jusqu'à nos jours. Le royaume des cieux est forcé. C'est forcé. Bien aimé, lorsque tu veux avoir l'argent. Je ne te dis pas l'argent facile. Je ne te dis pas l'argent facile. L'argent qui t'a t'assoit pour arnaquer. Non. L'argent qui t'a volé. Tu dis que tu es poussé. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça en tout cas. L'argent. Travaille à la sienne de ton sienne de ton corps. Tu souffres. Et tu souffres. C'est cet argent. Bien aimé. C'est ainsi que l'esprit souffre. C'est comme ça qu'il veut. Oui. Si tu as accepté Jésus, ça ne veut pas dire que tu vas avoir la richesse de ce monde. Ça ne veut pas dire que tu auras tout. Bien aimé, le changement de Jésus. Le changement que Jésus va t'apporter, c'est qu'il va t'apporter. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche. Ça ne veut pas dire que tu auras tout. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir la richesse de ce monde. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir les biens de ce monde. Ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Le changement de Jésus. Bien aimé. Le changement de Jésus. Si tu es un voleur. Tu veux volper. Si tu es un sorcier. Tu ne pratiques plus la sorcellerie. Si tu es un menteur. Tu ne pratiques plus le mensonge. Voici le changement de Jésus. Si tu es un criminel. Tu ne tues plus. Si tu es un abominateur. Si tu es un abominateur. Si tu es quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu ne consultes plus. Tu ne vas plus là-bas. Si tu étais quelqu'un qui courait après les jeunes filles. Si tu étais quelqu'un qui courait. Tu cours après les jeunes filles. Tu ne vas plus courir. Tu ne vas plus courir. Tu changes de vie. Voici le changement de Jésus. C'est en vain. Bien aimé, l'ennemi s'est déchaîné. Il est quitté dans sa peau. Bien aimé. Les différentes marques qu'aujourd'hui que nous portons. Les différentes marques qui sortent. À quoi les Nike ne peuvent pas dormir. Adidas. À quoi les Gucci. Puma. Versace. Bien aimé. Ces marques ne sont pas de Dieu. Ce sont les marques diaboliques. Ce sont les démons qui accompagnent ces marques. C'est démons qui font te condamner à demain avec ça. Bien aimé. Tu peux tout abandonner. Si tu n'abandonnes pas cela. Bien aimé. Le diable. Va t'accuser au dernier jour. Bien aimé. Tu veux aller au ciel. Mais tu n'es pas prêt à écouter Dieu. Comment est-ce que tu vas aller au ciel? Tu n'es pas prêt à suivre la voie du Seigneur. Tu n'es pas prêt à marcher sur la route de Dieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth. La vie chrétienne, elle n'est pas si facile que ça. Elle n'est pas si facile que tu le penses.
Tu as l'église. Tu as l'église. Tu n'es pas persécuté. Tu n'es pas persécuté. Tu vis à l'aise. Je suis à l'aise. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu as l'église. Tu as l'église. Tu es dans les maquis. Tu es dans les maquis. Tu as l'église. Toi, tu as l'église. Tu t'habilles comme une prostituée. Tu t'habilles comme le païen. Bien-aimé, bien-aimé. Comment est-ce que ton frère, comment est-ce que ton frère, ta soeur, va prier? Comment est-ce que ton frère, ta soeur, comment est-ce que ton frère, ta soeur, sera convaincu que tu es chrétien? Sera convaincu que tu es chrétien. Comment est-ce que tu pourras sauver ton frère? Comment est-ce que tu pourras sauver? Comment est-ce que tu pourras dire à ton frère? Comment est-ce que tu pourras dire à ton frère? Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus change. Jésus l'a changé. Attends, tu n'as pas encore changé le plan, mais tu es toujours le tu es toujours dans les habillements mondains. Tu es toujours dans les habillements mondains. Aujourd'hui, au lieu que. Au lieu que. Au lieu que. Au lieu que. Le monde copie sur l'église. Le monde copie sur l'église. C'est l'église qui copie sur le monde. C'est l'église qui copie sur le monde. Tu es chrétien. Tu as toutes les chaînes modernes à ton portail. Tu as toutes les chaînes, tu as toutes les azalaka. C'est toi qui danses les rues Castro. Toi qui danses les rues Castro. Tu es chrétien. Tu es chrétien. C'est toi qui es dans le bois de nuit. C'est toi qui te promènes de boîte en boîte. Tu es dans les différents types de boissons. Tu bois tout. Dieu vient la capa un peu. Il dit, on n'a qu'à boire un peu, c'est que... Dieu t'en a qu'à boire un peu. C'est que dans la Bible, Dieu m'a mis la Bible en vrai. Mais faut pas se... Mais faut pas se... D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est quoi? Oui, 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 oui. Si tu peux accepter de boire un peu de poison, si tu... C'est quoi? Bien-aimé, bien-aimé, ceux qui tuent les gens avec poison, ceux qui tuent les gens avec poison, avec la boisson, avec la... Est-ce qu'ils mettent dans des casiers de vin? Est-ce qu'ils mettent dans des casiers? Est-ce qu'ils mettent le médicament dans les casiers? Quel type de boisson? Mais ils mettent seulement, ils tuent seulement le bout de ton verre. Le verre seulement petit. Ils mettent seulement dans le verre. Ils mettent seulement que petit. Et ça te détruit. Et ça te détruit. Bien-aimé, bien-aimé. Si la boisson pouvait, si la boisson ne peut pas être dit. Si ce n'est pas interdit, quand tu vas boire, tu vas boire le poison, le poison, cela ne te fera rien. Parce que la Bible dit, vous buvrez des breuvages mortels. Vous buvrez des breuvages mortels. Et cela ne vous fera rien. Et cela ne... Si la poisson ne t'est pas interdite, si ce n'est pas interdit, lorsqu'il va empoisonner la poisson, lorsqu'il va empoisonner cette poisson, cela ne va pas te faire quelque chose. Elle ne va rien te faire. C'est parce que cela ne glorifie pas Dieu. C'est parce que ça ne fait pas de Dieu. C'est parce que cela n'est pas la gloire de Dieu. C'est parce que cela ne fait pas de Dieu. Mais pourquoi quand tu bois, pourquoi quand tu bois, et quand t'as poison, et quand t'es poison, ça te prend. Ça te meurt. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te sauver. Prends la main aujourd'hui. Il peut prendre la main. Quand tu es un voleur. Quand tu es un voleur. Quand tu es un grand amateur. Quand tu es un grand amateur. Quand tu fumes la chicha. Tu fumes la chicha. La drogue. La drogue. La cigarette. Quand tu ne peux pas t'en passer de la pornographie. Tu ne peux pas t'en passer de la pornographie. Quand tu ne peux pas t'en passer des filles. Tu ne peux pas t'en passer. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Je tends la main. Il te tend la main aujourd'hui. Je te tends la main aujourd'hui. Il est prêt à te racheter. Est-ce que tu trouveras dans le matin?
Ainsi que tu verras en train de voler, ainsi tu verras en train de voler ton fils. Où est-ce que tu te trouveras? Où est-ce que le Seigneur va te trouver? Je parle, mon ami. La vie de quelqu'un que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Je maudis ces œuvres. Selon le livre, je maudis ces œuvres. Tu es un peu de puissant. Verset 14. Le roi de chasse sur la porte. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Comment il m'a fait mon Dieu Seigneur? Afin que tu péché ma femme par éternel mon Dieu. Il vient de dérouiller ma femme. Il vient de penser ma femme. Je maudis sa chute maintenant. Je maudis sa force maintenant. Je maudis sa base maintenant. Je maudis sa puissance maintenant. Dans sa vie maintenant, ma femme. Je puis maintenant de l'air restaurer par ton sang. Je puis 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 de l'air restaurer par ton sang. Je prends le mec à faire mon Dieu, mon papa. Sa famille, sa maison, ses activités, mon papa. Dans ton sang, mon papa. Au nom du sang de Jésus. Mais c'est par l'esprit de Dieu. Mais c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes le plus international, Jésus est bien. International, Jésus est bien. Attends-moi. Nous sommes le réveil international, Jésus est bien. Nous sommes le réveil national, Jésus est bien. Lui, les interdits de Dieu. Les interdits de Dieu. Voici nos contacts. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Hey. Voici nos contacts. Venez-moi, il faut prendre. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Prends un cahier. Ou prends un cahier. Prends un stylo. Commence à noter le numéro. Commence à noter le numéro. Prends le 07. Prends le 07. Le 09. Le 09. Le 04. Mais c'est 4. Mais c'est 4. Mais prends ce numéro. Prends ce numéro. Prends ce numéro. Prends ça. Prends ce numéro. Prends ce numéro. Prends encore un autre numéro. Le 05. Le 05. Le 85. Le 85. Le 17. Le 17. 82. 82. Le 39. Le 39. Bien-aimé. Nous partons au ciel. Nous sommes en marche pour le ciel. Oui, pour toi tu veux aller au ciel. Toi tu veux aller au ciel. Tu dois renoncer au monde. Tu dois renoncer à la bonne vie. Tu dois abandonner le monde. Les plaisirs de ce monde. Les maquis, les bois de nuit. Les désirs de la chair. Oui, tout ces choses. Abandonner. Tu dois abandonner. Tu dois abandonner. Cela ne veut rien dire. Oui. Tes belles voitures resteront. Tes belles maisons resteront. Bien aimé, tous ces chemins. Où les présidents sont restés. Tous ces chemins vont rester. La reine d'Angleterre n'est pas partie avec vous. Tous ces chemins resteront. Mais ton âme ira au ciel. Même ton corps va rester. Même ton corps restera. Mais ton âme ira au ciel. Quel est le chemin que tu as préparé? Oui, quelle est la place que tu as préparée? Quel est le niveau que tu as préparé? Quelle est la vie que tu as préparé? Bien aimé! Bien aimé! Nous faisons le culte. Nous faisons le au quartier soleil. Dans le collège ecclésiastique. En face de la CAP. En face de la CAP. Bien aimé! Oui! Le mercredi. Le mercredi. Nous avons le culte du soir. Nous avons le culte du soir. Le dimanche. Nous avons le culte de. Le culte d'adoration. À 9h. Pour toi tu veux. Viens et voir. Viens et voir. Viens et voir. On te force pas. On ne te force pas. Viens et voir. Viens voir. Viens et voir. Viens et voir. Viens et voir. Comme Philippe l'a dit. À Nathanaël. Viens et voir. Viens et voir. Viens et voir. Bien aimé, on ne m'a pas fait prêcher le mariage. On ne m'a pas fait prêcher le mariage.
prêcher la richesse. Non, on va te prêcher. On va te prêcher. Oui. Les paroles, le message au ciel. On va te prêcher le salut. On va te prêcher le salut. Le salut de ton âme. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa main puissante repose sur vous. Voici le message de moi. Avec pour vous en ce jour. Sachez bien. Le Seigneur tend la main. Il te tend la main. Il est prêt pour que ton âme soit sauvée. Il est prêt à te libérer. Il est prêt à te accorder la salut. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai attendu le message. Bien-aimé. Arrête de raisonner là où tu es. Alléluia. Arrête de raisonner là où tu es. Tu te prends. Tu es là même là. Ils sont où? Ils sont où? Amen là. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour te parler du mariage. Bien-aimé, tu as raison d'être là. Que tu sois étonné. Bien-aimé, parce que là où tu es, tu vois, quand tu arrives, tu es en train de mariage. Sur le mariage, sur le voyage. Ça, tu vas voyager. Un voyage. Alléluia. Papa, Jean, tes amis, tu es en état de faire. Père, tu sois sauvé. Que ton âme soit sauvée. Tu vas en état de marcher. Marcher. Que ne sois pas en faire. Ne sois pas en faire. Tu voyages. Voyage, tu vas voyager. Voyager. Tu vas aller loin là. Tu vas. Bien aimé. Voyage, là, c'est rien. C'est rien. Voyage, c'est. C'est forcément que tu voyages. Je vais les larmes, ils s'en croient.
laisse le monde va passer. Le monde va passer. La monde va passer. Les hommes vont passer. Les hommes vont passer. Bien aimé. Les temps sont finis. Les copines vont passer. Les gens vont passer. Les maquis vont passer. Les présidents vont passer. Tout ce que vous voyez actuellement, tout va passer. Mais bien aimé, si toutes ces choses passent, où il a dit? Si toutes ces choses passent, où il a dit? Bien aimé, je te pose la question ce soir. Bien aimé, si la trompette sonnait ce soir, où il a dit? Si la trompette sonnait ce soir, à l'instant même où il était pas, où il a dit? Bien aimé, faut pas suivre. Il est dans l'air de mes gardiens.
de vivre comme ça. Arrête de vivre comme ça. Arrête de vivre les chaînes. La chaîne. La voile. La voile. Il est voilé. Et qui prenait la vie de son chien. Qui prenait la vie de sa fille. Il y a la vie. Ça ne devient pas de Dieu. 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 Ça,
Il a dit Dieu, regarde le peuple. Je vais te dire que tu es un peu plus de temps.
que le canal. Par Dieu. Tu te maquilles, tu frappes à l'eau.
Il t'a enlevé la grossesse. Il a tué quelqu'un. Ça veut dire chantier. Ça veut dire chantier. Ça veut dire chantier. Vérité. Je dis ta femme aujourd'hui. Il va te pardonner. Mais qu'est-ce que ça se fait? Didi! 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 Didi!
chose. Je vais te dire quelque chose. On te dit quelque chose. Quelque chose. Tu es. Où tu es? Quand on te dit nouvelle année. Nouvelle année. On te dit nouvelle année. Nouvelle année. Année là. Année là. C'est celui qui te donne une nouvelle année. Celui qui te donne. Celui qui permet que tu vois une nouvelle année. Celui qui va te donner. Celui qui va te donner. Je le dis merci à Dieu, à lui seul, mais tu te lèves, tu prends ton argent, ou ta photo, tu dis que tu vas quoi, pas fini si grand, tu vas les camions, tu vas chauffer, tu vas chauffer, tu vas les camions, ou bien on te pleut, ça va venir sur terre, tu as quoi, toi c'est la fête, viens le bé, je dis, Tu passes avec lui.
sévérité. Dans la sévérité.